vidéo. Pour vous expliquer le concept, j'ai donné ma carte bleue il y a quelques jours à mon copain en lui disant « Écoute, je vais te donner un montant. » À la base, je crois que je lui ai dit 50 euros et tu dois me trouver une tenue sur « On a choisi Asos ». Donc, je lui ai dit « Il faut que dans ces 50 euros-là, tu me trouves une tenue. Donc, débrouille-toi, il faut qu'il y ait plusieurs pièces. » Je te donne pas d'indice, je vais juste donner mes tailles en ce qui concerne les jupes, les pantalons, les chaussures, tout ça. Et puis bah du coup on va voir ce qu'il a choisi. Ben je prie, vraiment je prie pour que ça me plaise. On va voir si tu me connais, Loulou. Et il est là, donc il va pouvoir commenter tout ce que je fais et tout ce que je dis. T'es ready? Yes. Bonjour. Tu vas vraiment dire avec cette voix-là? Oui. On va regarder. Je sais pas, donne-moi celui si tu veux. D'abord donner le bas. Oh, this is le bas, this is un bas noir. Je crois que c'est un jean noir. Il m'a dit aussi, j'ai oublié de vous dire que dans les trois pièces qu'il avait choisies, puisqu'il en a choisi trois, il y a des mots... clés. Des mots clés sur... mais sur quoi? Enfin, je dois deviner pourquoi. Tu dois deviner chaque mot clé que t'aimes. À chaque fois, tu me parles de choses avec un type précis. Et c'est ça que et là, je vais les deviner. Oui. Donc, on va voir si j'arrive à les deviner. Donc là, c'est un jean noir taille haute. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être le mot clé? Je crois que c'est taille haute. Bonjour, taillot, taillot, taillot. J'ai toujours taillot, taillot, taillot. Je crois que c'est ça le mot-clé. Attends, je vais revérifier. Il va y avoir une fiche. Il n'y a pas écrit là, il y a écrit juste que c'est un denim. Alors je vais vous montrer. Je vous montrerai tout porté à la fin, hein, mais c'est un jean noir. Donc effectivement, taille haute. Et normalement, il a l'air d'être slim. Hello. Donc. C'est un skinny. Ouais, c'est un skinny. Donc parfait. Et donc on verra, je l'ai pris en taille 30-30. Enfin, il l'a pris parce que moi j'ai rien acheté du tout, mais il l'a pris en taille 30-30, donc bah, je vous montrerai porter. Mais ça doit faire bien quoi? Deux semaines que je me dis qu'il faut que je m'achète un jean? On passe au deuxième article? Ah! En fait, j'ai arrêté de faire du bruit, je sais ce que c'est. Hier soir, je faisais un tour justement sur la sauce et je regardais un peu ce que j'aimerais me prendre parce qu'en ce moment, là, j'ai trop envie de me racheter des vêtements et j'ai vu un haut. Alors, je vous le décris, c'est un haut en tweed avec juste là le bord en dentelle. Et du coup, en fait, là, il me lance un truc. C'est un haut en tweed avec un bord en dentelle. Il a pris exactement le haut dont je rêvais. Comment t'as fait pour savoir que c'est ça? J'ai vu mot-clé dentelle, j'ai vu mot-clé crayon, je crois que c'était un truc comme ça. Oui c'est ça, c'était le mot crayon, du coup je me suis dit voilà. Mais vraiment genre là il m'avait dit non mais attends avant de commander quoi que ce soit parce que si tu commandes un truc que je t'ai déjà acheté c'est dommage. Bah, effectivement, et c'est genre exactement celui que je voulais, tu crois ça ou pas? Je suis trop heureuse. Donc voilà, et pour la taille il a pris en L, donc trop cool, et le prix est caché. T'as dit que c'était pour un cadeau? Non. Mais ils ont caché le prix. Merci à ça. Donc voilà, donc j'essaierai, je vous montrerai tout porté à la fin, mais trop contente, c'était celui que je voulais vraiment. So happy! Et ça c'est la paire de chaussures, donc il m'a pris, troisième article, une paire de chaussures. Je sais pas ce que c'est, il connaît ma taille, hein, donc voilà. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, on peut lui accorder un bon 10 sur 10, en espérant que ça reste un 10 sur 10. T'es sûre de toi, combien de pourcents là, pour ce cadeau-là? Oh bah c'est des hauts talons roses, donc ça devrait. Non, je mets pas beaucoup de talons. Alors attention... Youhou, il m'a acheté des derbies noirs. Mais trop bien, pas parfait. Et le mot-clé c'était Richelieu. Tu dis toujours une fois Richelieu. Il me faut des derbies Richelieu. Elles sont trop canons. Attends, il y a déjà un pied dedans. Ah non, c'est la languette qui était. Tu vois, pour moi je les trouve jolies. Genre, je suis pas fan normalement des derbies, tout ça. Et celles qui sont genre, tu sais, les noires glacées là, je me suis dit que t'allais forcément t'en acheter une paire. Ouais. Et que moi je suis mal placée pour juger si elles sont belles ou pas parce que je déteste ça. Et celles-là, je trouvais qu'elles étaient classe, tu vois. Elles sont trop jolies. Pour vous dire d'où viennent les articles, ça du coup c'est acheté sur Asos mais ça vient de chez New Look. Et l'autre c'est Pinky. Ça c'est le super haut que je voulais vient de chez Pinky. Et le jean c'est un Asos. Donc voilà. Là au moins vous avez les trois trucs et ben je pense qu'on peut dire qu'il s'est pas trompé. En tout cas j'aurais pas pu moi-même commander le jean, c'est moi qui ai commandé vraiment. Parce que ouais, hier soir je regardais ceux-là et je le trouvais plus sur Pimki. Il était en rupture de stock sur Pimki, j'étais trop triste, je me suis dit oh, pourvu qu'il soit sur Asos, je le vois sur Asos. Et j'attendais en fait de recevoir le colis Asos pour voir ce qu'il m'avait pris et rien. Il l'a acheté. You know me so well. Donc voilà, donc là je vais juste aller enfiler tout ça et puis bah vous montrer comment ça rend, voir si
vous valider ou pas du tout sa tenue. Donc, on y va. Et si ça te va? Et si ça me va? Mec, on croise les doigts parce que c'est tout ce que j'aime. Donc, on croise les doigts. C'est parti. Ça termine la vidéo. Alors j'ai pas du tout trouvé les mots-clés, je sais pas si vous avez remarqué, j'en ai trouvé aucun, il les a juste tous avoués en me donnant en fait chaque article. Donc du coup je suis juste trop heureuse parce que vraiment hier je vous montrais que c'était un gros coup de cœur ce j'arrive plus à parler, ce haut, et bah juste je suis trop contente. N'oubliez pas d'expliquer l'enjeu. Voilà, et ça c'est ce que je devais vous expliquer. En fait il m'a dit que si il avait réussi à bien choisir, parce que bon, demain, ça fera 7 ans qu'on est ensemble, donc comme quoi on voit qu'il écoute encore ce que je lui dis, parce qu'il a réussi à prendre une tenue absolument parfaite. Il m'a dit, si la tenue te plaît et te va, et que voilà, je ne me suis pas loupée, et bien c'est moi qui te les offre. Du coup, c'est pas moi qui paye. Donc du coup, voilà, je suis trop contente. Donc n'hésitez pas à reproduire, vous, ce genre de concept, si ça vous plaît. On essaiera d'en faire un avec Loulou plus tard, parce qu'il faut qu'on remette un petit peu d'argent de côté pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Je vous ai pas donné d'ailleurs les prix des articles, mais je les mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir. Mais il me semble qu'il a dépassé le budget. Tu peux nous dire de combien t'as dépassé le budget? 20 €. Voilà, donc il a fait des folies, mais bon, c'est pas moi qui paye, alors c'est pas grave. Donc au final, ça fait une tenue à peu près 70 € et des brouettes, je sais pas exactement combien t'as payé, mais voilà, en tout cas, je suis ravie, les tailles sont parfaites, et juste, bah, je suis trop contente, donc, et bah écoutez, je vous dis à la prochaine, et puis bah, je vous fais plein de gros bisous.